Et toi, Kébienne, c'est chaud. Maman, apparemment, la plainte est en cours de téléchargement sur toi, oh, Madame Voutou, est fâchée. En tout cas, écoute les conseils de la baronne de Suisse qui te demande de te retirer de tout ça là, parce que ça commence à bien faire. Concentre-toi sur moi, je suis sûr que Lolo s'est séparé avec Lolo, avec Papa Fondi à cause de Facebook. Je suis sûr que ces gens-là pouvaient être encore ensemble aujourd'hui. Quand le baron dit que quand moi, la banquière est allée atterrir là-bas le matin chez elle, tu te rappelles la fin, non? Et toi, Kébienne. Le quand moi, la banquière qui dit qu'il aime trop les institutions là, est allée atterrir chez la fille de Touille le matin. Ça crée ce que ça crée là. Les politiciens là, il faut faire attention. Il faut faire attention. Retrouver dans des trucs appelés, oh le voilà, le voilà, et ça crée tout un problème. Et le monsieur peut-être s'est senti humilié, peut-être qu'il y avait des problèmes dans le couple, ça accentue. Si vous avez un copain que tout le temps on l'appelle vraiment, ce n'est pas bien, un moment il va craquer et partir. Et partir. On vend les œufs, on les a sur la tête, on ne cherche pas le problème. Je recommence une troisième fois pour que ce soit clair. Si tu as des œufs sur la tête, tu es en train d'aller vendre, ne cherche pas le problème. Parce que quand on peut te bousculer, tous les œufs se versent. Qui perd? C'est toi. Maman, je vais te parler aujourd'hui comme une grande soeur. Avec toute l'expérience que j'ai là, j'ai découvert que tu as aussi 40 ans. Bon, alors, c'est le Facebook, non? C'est venu nous trouver. On a forcé. Tu es une la messe, c'est 40 ans bien fixé. Mais je ne t'en pas toujours. Moi, j'ai 48 ans, je casse à mon âge. Mon âge est clair. Moi, j'ai 48 ans. Cette année, j'ai 48 ans, je casse à mon âge. Je voulais te dire que l'affaire que tu es parti chercher, Marlène Mvoutou là, laisse. Laisse comme ça. Moi, je te dis ça, je te donne des conseils comme une soeur. Si tu veux, tu m'écoutes. Si tu veux, tu ne m'écoutes pas. Maman, ce n'est pas la bagarre d'Indiapa, de Facebook. La mère là est très, très, très résistante. Deuxième chose, ce sont les politiciens. Les politiciens n'ont pas de cœur, ils n'ont pas de sentiments. Quand les politiciens, tu t'attaques aux politiciens, tu risques de rester là. Tu viens d'ouvrir un magasin, ma fille, ma soeur. Ce n'est plus la vente virtuelle. Quand tu as là pour un magasin, tu dois payer les impôts. Tu dois payer le loyer. Tu dois payer le courant. Tu dois payer les employés. Maman, moi, j'ai eu les structures ici en Suisse. Quand tu étais sur Facebook, tu vas haut, il n'y a pas de problème. Tu ne vends pas haut, il n'y a pas de problème. On s'en fout. Maintenant, là, où tu as mis le loyer là, tu vas haut, tu ne vends pas, tu dois payer le courant. Tu dois payer le loyer, tu dois payer les employés, tu dois payer, tu dois payer, tu dois payer les impôts. Ton affaire que tu as engagée avec Marlène Mvoutou là, enlève ton pied dedans. Moi, je vais te parler comme une grande soeur. Ce n'est pas un clash, ce sont les conseils. Et la politique est très, 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 très violente. Voilà que même moi qui te parle, je ne sais pas ton nom. Voilà ça qui est là sur Facebook. Si on vient, on commence à harceler ton mari. Comment ça se passe? Quand tu as déjà un commerce, ne fais pas les poubelles. Les politiciens sont très, 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 très dangereux. Marlène Mvoutou n'a rien à perdre. Toi, tu as beaucoup à perdre. Tu as beaucoup à perdre. Si vous avez peur d'un Mvoutou, allez loin. Toi, tu es là, avec ton faux profil. Tu es assise chez toi. C'est toi qui viens qu'on insulte, ce n'est pas toi. Si tu as aussi le cœur, mets ta caméra avec ton profil, tu commences à l'insulter. Ce n'est pas ta vie qu'on va détailler dehors. Moi, j'ai découvert, quand elle est arrivée en Europe, ses papiers, c'est ceci, ce n'est pas joli. Personne n'a envie d'être déposé sur les réseaux sociaux. Faites attention, je ne veux pas ça d'elle. Je ne veux pas ça d'elle. Moi, je me rappelle, ici là, toi, ma soeur et toi, Kubienne, tu avais commencé à aller t'attaquer au gars de la brigade anti-Sardina là. Tu te rappelles très bien. Tu es parti chercher les problèmes là-bas, les gars là ne tombent pas du bec. Tu es venu, tu as dit, oh, excusez-moi, oh, je ne suis plus dans les histoires de politique, oh, je ne veux plus rien savoir, oh, que chacun se batte, oh, les affaires des Camerounais, oh, je ne veux plus, je reste dans mon Japon. Je t'ai dit, viens. Et je te dis toujours inbox, que tu as trop d'émotions. Et c'est ça qui va t'en. Marlène Mvoutou a ses problèmes là-bas. Si elle lave la première dame, ça te concerne en quoi? Ça, c'est le truc. Ça te concerne en les histoires de politique. Dès que tu vois la politique, passe ta route. Ou si tu veux avoir la force, parce que les gars là, ils sont prêts à te piéger, même et te filmer, sur Facebook. Ils n'ont pas de sentiments. C'est un chemin très, très, très glissant. On ne blague pas là-bas. L'affaire que tu vas engager là, moi j'ai vu Marlène Mvoutou. Cet après-midi, j'ai suivi son live. Où elle disait qu'elle va aller te porter plainte. Elle va aller là-bas à la gendarmerie dans ton truc. Elle va aller. Imagine quand elle vient, elle se retrouve devant chez toi, elle commence à crier ton mari. Les blancs n'aiment pas le bruit. Les blancs n'aiment pas ce genre de choses. Les blancs, elle là, quand tu la vois, elle n'a plus rien à perdre. Elle a laissé au Cameroun, elle a abandonné. Une gars qui s'attaque à la première dame n'a plus peur de rien. Une gars qui s'attaque, elle n'a plus peur de rien. Donc, je te conseille d'enlever ton pied dans la fessie. Laisse Marlène Mvoutou régler ses problèmes avec la première dame et tout ça. Elles se connaissent là-bas. C'est entre elles. Maintenant, si tu veux entrer dans l'affaire, il faut être prêt pour les retours. Moi, je te dis ça. Il faut être très prêt pour les retours. C'est toi qui viens d'ouvrir ta petite entreprise. Tu vends des choses. Maman, concentre-toi pour développer ta boutique. Concentre-toi pour faire ton business. Parce que là où c'est là, imagine-toi que Marlène Mvoutou débarque chez toi là-bas. Commence les vidéos, les trucs. Aille te porter plainte. Commence à te déranger. Maman, ce n'est pas la petite bagarre de Facebook qu'on fait soir entre nous, le Japon. Les politiciens ont le cœur. Tu te rappelles de Billy Akeli? Il est parti même parler devant chez Boris Kamtoa. Les gars là, c'est eux qui ont le cœur. Quand tu vois Ahmed Kamel fuir la politique pour venir se cacher dans le Congo, ça le laisse. Et je veux dire aussi à ma soeur Marlène Mvoutou. Ma soeur, pardon. À cause de Dieu, laisse. Tu t'es entendu dire que tu vas lui porter plainte. Tu vas faire que sa nationalité. J'espère qu'elle va m'écouter après cette vidéo. Enlever les captures de ton enfant et tout, et sortir de ce problème la tête haute. Ma soeur Marlène, laisse. Laisse. Laisse-tu, c'est une petite soeur, enfin, elle a 40 ans, je ne sais pas quel âge tu as ma soeur. Laisse. Moi,
je pense qu'il faut déjà qu'on fume nous calmer. Vous savez, et puis là, elle est très, très woro woro, mais elle n'est pas méchante. Il faut dire la vérité. Et je lui dis toujours que tu es très émotif. Tu te mets dans des fausses situations. La fille Bob, tu es partie chercher les problèmes à Jumento. Si Jumento s'assoit sur ta vie, là, tu vas faire comment? Te voici qui vient chercher les problèmes à Malek. Malek, tu n'as pas parlé de toi. Tu t'es mêlé d'un problème qui ne te concerne pas. Te voici, on a laissé tout le monde là, on s'est agrippé chez toi. Il y a des gens qui ont la peau du matériau que tout le monde va chercher les problèmes. Tout le monde va passer, on s'agrippe tellement sur toi. Maman, et toi, peut-être que c'est capable de tout. Moi, je te conseille de quitter dans l'affaire. Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle la peau du maquereau. C'est-à-dire que tout le monde va aller bagarrer, on va laisser. Sur un faible, on va laisser. Maman, toi, tu vois, c'est sur toi qu'on cale. On dit qu'aujourd'hui, à mon avis, tu cales laver la personne.